Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Lydie. Lydie, qu'est-ce que c'est que ces objets qu'on voit ici? Alors, ce sont des bougies parfumées qui sont 100% naturelles. Il y en manque une d'ailleurs, elle est, je ne sais pas où. Elles sont faites toutes à base d'huile essentielle. Donc, alors, lesquelles d'huiles essentielles? Voulez-vous me les faire voir? Les huiles essentielles? Est-ce que ça, ce sont des huiles essentielles? Non, ça, ce sont des... Ça, fait, ce sont les... Là, on a les bougies et là, on a la version en diffuseur. Voilà, diffuseur. Et vous êtes aromathérapeute? Alors, moi, je suis spécialiste en aromathérapie. Voilà, c'est ça. Enfin, je Donc, vous connaissez les huiles essentielles et leur pouvoir. Parce que le pouvoir des huiles essentielles, c'est très fort. Oui, c'est vrai. Il suffit d'une... Une goutte, voilà. Une goutte et même c'est tellement puissant que sur les petits flacons d'huile essentielle qu'on peut acheter, il y a écrit parfois attention. Oui, ça c'est le principe de précaution. Tout à fait, c'est obligatoire. De toute façon, ça fait partie des normes européennes de noter sur les flacons un certain nombre d'éléments. Et alors, les huiles essentielles qui sont dans les parfums, dans les parfums et dans les bougies, comment est-ce que vous les avez choisies et lesquelles sont-elles? Alors, en fait. On a travaillé par rapport à des ambiances. Comme on travaillait sur des bougies parfumées, on voulait travailler par rapport à la maison. Donc on s'est dit, alors, quel type d'huile essentielle on va utiliser par exemple dans la cuisine? Dans celle de la cuisine, on va travailler les épices. Donc on a travaillé la cardamome, la badiane. Donc en fait, moi j'ai fait une sélection de différents types d'huiles essentielles qui travaillaient sur tout ce qui tournait autour du digestif. Parce que la cuisine, c'est la digestion. Donc apéritif et digestif. Donc j'ai fourni à la parfumeuse Delphine une liste d'huiles essentielles qui travaillaient là autour. Elle a cherché par rapport à ses matières premières et puis elle a élaboré le parfum par rapport à ça. Ensuite moi j'ai récupéré le parfum qu'elle a fait, j'ai fait des olfactions et puis de ces olfactions j'ai dit bah oui ça c'est bien, ça on pourrait le modifier légèrement, ça il faut ajouter un petit peu plus de ceci ou un petit peu moins de cela, voilà. Alors, on a fait petit à petit par étape. Les différentes huiles essentielles que vous avez choisies, vous les avez choisies par rapport à quel pouvoir, quelles caractéristiques? Eh bien, en l'occurrence, pour ce qui est de la cuisine, par exemple, on a utilisé tout ce qui tournait autour du digestif. Donc l'axe digestif sur le corps. La salle de bain. Alors la salle de bain, on n'a pas travaillé, pas encore. Le salon. Alors le salon, alors qu'est-ce que c'est que le salon? C'est un espace de détente. Donc on a travaillé sur tout ce qui pouvait être tout ce qui pouvait apporter de la détente. Par exemple? Alors on a pris par exemple du petit grain clémentinier qui est un très grand relaxant. On a pris de la lavande qui permet de lâcher prise aussi. Voilà, on a utilisé différentes huiles essentielles. Les études? Alors les études, on a travaillé quelque chose qui travaillait sur l'axe cérébral. Par exemple, des encens, des choses comme ça, quoi, en fait. Mais quel genre d'encens? Alors, ça fait partie des secrets de fabrication. On ne va pas tout vous dire non plus, mais... Vous n'allez pas tout nous dire. Voilà. Mais... La chambre? Alors, la chambre, là, on a travaillé sur la détente. Alors là, on utilisait, par exemple, du petit grain clémentinier ou du petit grain bigaradier. Voilà, c'est... Mais alors, j'ai bien compris que vous ne pouvez pas nous révéler tous vos secrets. Non, on ne peut pas tout vous dire. Mais il y a des secrets. Ah ben oui, c'est comme dans toute fabrication, il y a des secrets de fabrication. Et est-ce que vous avez un favori parmi tous ces produits? Eh bien, c'est difficile d'avoir un favori parce que à certaines saisons, vous allez apprécier certaines odeurs. À d'autres saisons, vous allez apprécier d'autres odeurs. Et en fonction de l'état dans lequel vous êtes, vous allez apprécier certaines odeurs. Et d'autres fois, d'autres odeurs. Donc, je dirais et quelque part... anti-stress? Ah oui, bien sûr. Vous lequel voyez anti-stress. Alors, le 10, par exemple. La bolule 10, c'est celui-ci, je crois. Voilà, celui-ci, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans, sans révéler les secrets? Alors, dans celui-ci, on va trouver de la bigarade, qui est un grand antistress. Voilà. Eh bien, on vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie. Au revoir.